Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Mad Company. Donc aujourd'hui nous allons faire un tirage de cartes un peu spécial. Nous allons faire le tirage de cartes de Mademoiselle Camille. Attention au générique, c'est parti. Donc aujourd'hui nous allons faire le tirage de cartes sur le prénom Camille, qui est né le 1er septembre de l'année 2000. Au passage, n'hésitez pas à liker et vous abonner sur la chaîne pour que vous recevez toutes les vidéos. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc je me sers de l'oracle G, qui est ce jeu-là. Et ensuite, je fais une technique que j'ai inventée moi-même pour les prénoms. Alors, donc, je vais retourner les cartes et je vais lui dire ce que représente son prénom. Ça s'appelle une signification de prénom. Donc, nous allons commencer par celle-là, la première carte qui est un homme. Donc, l'homme peut signifier plusieurs choses. Vous voyez, vous avez une mèche de cheveux ici et ici. Vous voyez, comme la carte est de debout, on la prend comme ça. Donc, dans sa vie, elle était un homme, l'a un petit peu dirigé dans sa vie. Mais ce qu'il y a, c'est que cet homme, un petit peu, elle l'a perdu de vue. Cet homme, il a fait découvrir pas mal de choses et il l'a un petit peu dirigé dans sa vie. C'est une personne qui aime bien offrir des cadeaux, mais très peu recevoir. Très cœur sur la main. Ensuite, l'éléphant. L'éléphant est signification du voyage. C'est-à-dire que c'est une personne qui aime bien bouger. Elle ne reste pas, elle n'aime pas rester fixe où elle est. Ensuite, vous avez l'oiseau, qui est la liberté. Pareil, c'est une personne qui aime bien la liberté et faire ce qu'elle veut quand elle veut. Elle est aussi proche de la nature et proche d'animaux. Après, celle-ci est deux coupes plus un peu festif comme vous voyez la carte. C'est une personne qui aime bien rassembler les gens autour de elle, même des personnes qui ne se voient plus pour longtemps, pour fêter des événements ou autre chose. Elle aime bien aussi rassembler des gens que ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé. Celle-ci est un peu spéciale. Comme vous voyez, ils avaient une croix là et un petit peu barré. Ça signifie qu'en gros plusieurs choses. Ça peut être la première signification, ça peut être que avant elle était dans une religion qu'elle a carrément quittée, ou elle est en train d'en découvrir des nouvelles. Peut-être aller se diriger vers ces nouvelles religions. Et la dernière, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Si ça aurait été de ce compte-là, ça aurait été une autre sorte de carte, d'accord? Vous voyez, normalement, on sait tous que la chenille part en papillon. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que là, elle est son point d'évolution et est en train de s'épanouir. C'est-à-dire l'épanouissement complet. C'est-à-dire qu'elle est en train de complètement s'épanouir, découvrir de nouvelles choses qui va l'amener aussi à découvrir de pas mal d'autres personnes et d'autres choses. Voilà. Donc ça c'était du coup pour le prénom de Camille. Donc pour toutes les personnes qui veulent un tirage de cartes sur leur prénom, n'hésitez pas à mettre votre date de naissance, jour, mois et année. Jour, mois et année. Et c'est tout. Votre vrai prénom. Et je le ferai sur forme de vidéo comme je viens de faire, où je prends mon temps de montrer les cartes. Voilà.
Donc j'espère que ce format vous plaira, où je fais voir les cartes, d'accord. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos, et n'hésitez pas à me dire si cela vous aura plu. Sur ce, c'était Matt Compagnie, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et merci pour toutes les personnes et toutes vos réactions. Sur ce, c'était Matt Compagnie et à bientôt pour de nouvelles vidéos.